Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de South Park, le bâton de la vérité. Et donc nous allons reprendre notre aventure qui consiste en fait simplement à rattraper l'histoire perdue. C'est-à-dire je fais cette série pour simplement donner un prélude littéralement à la suite qui arrivera donc au mois de décembre de mémoire. qui est donc l'anal du destin. Et du coup, hop, bah du coup on va stacker à des CM1 ou des CM2, je sais plus. Voilà, je les ai tapés. Et ça finit par réagir, ça y est. Donc quand même tous des PV. Ce qui est normal hein, en l'occurrence. Normalement c'est pas 4 attaques. Faut que j'y pense à ça prochainement. Ici ça peut être prête. Oh. Un ennemi par une rafale de coups, d'accord. Disque de pouvoir, c'est trop aléatoire peut-être. On va attaquer comme ça, je pense que ce sera mieux. Mais merde! Mais je l'ai fait pourtant, je mâche les boutons Q et D. Oh la vache. Rapide celui-là. Boum. Vous savez quoi? On va les frapper un gros coup. Hop. C'est fait. Boum, ça c'est fait aussi. Donc quoi, vous voyez, des fois, on se fait du mal. Et on va le taper un vieux coup avec des œufs pourris. Puis le bouton gauche de la souris sans discontinuer pour bombarder vos ennemis. C'est bon. Bon bah apparemment j'ai réussi. Je sais pas trop, ces techniques là, j'ai l'impression qu'elles sont très... aléatoire, on va dire. Ok, bon, ça c'est fait en tout cas. Hop. On peut retourner à l'école, aller voir nos gothiques préférés. Moi je rebois un coup, j'ai super soif, j'ai super chaud en ce moment, chers amis. En tout cas, j'espère que vous vous hydratez bien. Avec des chaleurs pareilles, c'est toujours une connerie de pas le faire. Hop. Crac. Voilà. Holy hell! Ah là là. Alors. Ah, il va y avoir un mini-jeu en plus. Il va y avoir un petit mini-jeu, vous allez voir. Petit mini-jeu, c'est un peu débile, mais. Oh joy, it's Butthole the Barbarian from the Dungeons of Dumbass. You gotta. Yeah, he's almost a goth. Being goth isn't just how you dress, it's a frame of mind. It's time for you to prove that you go against society's rules. Yeah! There's a big PTA meeting happening right now at the community center. You need to walk right into the middle of that meeting and tape this sign to their table. Yeah, that will prove your individuality. Go on, beat it. And don't come back until you have a picture of that sign taped to the PTA table. Oh. Mon café! Dressez-vous contre les règles de la société, me voyez? Ok, bon bah écoutez, on va aller voir au PTA alors. Donc... C'est parti. Si vous avez le malheur de vous perdre, utilisez votre carte pour vous repérer, à moins que vous ne soyez... J'ai pas le temps de lire parce que j'ai un PC trop performant. Hello guys. It isn't right, I tell you. Out of nowhere, this huge Taco Bell is being built, and now our children are missing precious school time. Parents, we've been assured by the builders that they're working to fix whatever problems they've encountered, and school should be able to resume soon. Resume soon? Who do they think they are? They think we're gonna see a Taco Bell as being more important than our kids' educations? What if it's not really a Taco Bell we're dealing with? Hmm. Thanks for coming, new kid. Everyone, this is the kid whose family just moved to town. We've become very close friends. His name is... What's your name? Well, anyway, this child and I witnessed something last night, and I'd like you to hear his story. Go ahead, kid. Tell them, you know, about all the... Go ahead, tell them that stuff.
Non. This is a waste of everyone's time. If the PTA isn't going to do something about Taco Bell taking over, then the rest of us parents will. Come on, let's go. Come on. Catastrophe. Bon, c'est pas grave. Au moins, ce sera plus simple pour poser le truc. Discrètement. Crac. Look, I know how you're feeling, okay? But this isn't going to solve anything. We've got to get inside that Taco Bell and find out what's really going on. Help me with that and I'll help you with this. I saw you on the ship. You have pretty good control over your farts. Meet me in the bathroom. It's time for you to learn some real power. Oui, maître. En combat, vous pouvez utiliser l'option examiner pour obtenir plus d'informations sur les effets de cette vie qui handicap votre pote. Enseignez-moi. Let me show you what I mean. Come at me. Try and fart on me. Come on. Ah, fallait que j'appuie aussi Zach, d'accord. You call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. OK. Bah merde, j'ai appuyé pourtant. You call that farting on someone? You missed by a mile. Try d'accord, again. C'est parce qu'il y a une appelé. Hi, cha. See that? Your fart's over there somewhere. Didn't come close. So, what do you do when people can block your farts? You must learn to control your farts to move and release at a specific time and place. I'm going to teach you a fart called the sneaky squeaker. Become your greatest ally. Don't believe me? Try and block my attack. Okay. Oh mon dieu! Boum! Joli! I distracted you. Distracting your opponents is key to battle. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Hop là. Okay, you d'accord. Try. Make your fart detonate behind me. Oh, hey guys. Oh, Mr. Mackey. Now it's your turn. Use sneaky squeaker to distract Mr. Mackey over to the corner there. D'accord, pourquoi pas. Hey, did you guys hear that? Sounded like a chipmunk. Very, very good. Now use what I taught you to sneak et bim, le kick. Find out what they're up to and report back here. And no matter what happens, never fart on anyone's balls. You got that? All right. Now go. Ah, il est magique. Il est juste magique. Non, je vais y retourner. J'en ai pas fini. Faut que je fouille le cadavre de monsieur. Tu peux pas? Dommage. Un chim Pokémon. C'est pas ce que je vais faire. Raté. Dommage. Attends, tu peux pas quand même me dire que je peux... Non, pas ça. Je peux en faire un dans l'urinoir. Oh oui. Dans l'urinoir. You fart fiercely, like a farting lion. I wonder. Le descendant du dragon. Ils sont tous au courant en fait. Oh la gueule. Par contre, je vais avoir besoin de la photo quoi. Qu'est-ce qu'il a fait de mon. You fart fiercely. Merde, qu'est-ce qu'il a fait de mon. I wonder. Has the dragonborn. Qu'est-ce qu'il a fait de mon panneau? Qu'est-ce qu'il a fait de mon panneau? Dommage. Bon. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ah, la PS... D'accord, ok. Et donc, je peux rentrer à la... Bon, on va rentrer à l'école, on va voir ce qui se passe.
je résisterai pas. Oh my god! Ah, c'est bon ça. Le smateux chinois, c'est ça? Le chinois smateux, je ne sais plus. Ok, yo les filles. Bon, apparemment, je ne peux pas. Ok. Donc, j'imagine qu'il faut que j'aille voir d'abord le Taco Bell. Ok. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et du coup, ça m'embête un petit peu parce que j'aimerais y consacrer un épisode complet. J'aimerais y consacrer un épisode complet. Bon. Comment je fais? Est-ce que je sauvegarde une fois? Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais rentrer dedans, je vais sauvegarder. Nous ne pouvons pas laisser un tel. Je peux te prendre un autre P peut-être? Hop! Parfait, on l'a eu. On en fait combien des chines Pokémon au passage? Collectors? On en fait un paquet quand même, 17 sur 30. Ah, on en a pas tant que ça en fait. C'est les différentes armes. Oh mon dieu! J'allais dire les différentes armures donc. N'empêche qu'il y a des armes stylées, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Enfin bon. Hop! Ok, bon. On est juste devant. Bilibim! Même pas. Bon. Folks, there's nothing to be concerned with here. Absolutely nothing out of the ordinary is going on. We're simply getting ready for the grand opening of a new Taco Bell. New Taco Bell opening soon. Very big Taco Bell. It's going to open in a few weeks. Thank you. Will this Taco Bell be serving enchiladas? What? Is it going to be a full menu Taco Bell, or is this going to be one of those Taco Bell KFC combos? We got a guy out here asking a lot of questions. Just stick to the script as laid out in the protocol. But he wants to know if the Taco Bell will have enchiladas or not, sir. Damn it, we don't have a contingency for that. Michaels, isolate and neutralize the threat. Yes, sir. Look, it's a simple question. If this is going to be a huge Taco Bell, will it serve enchiladas? I think we have a right to know. Boom. Mark? Folks, we know you're all very excited, but for your safety, we ask you stay clear of the construction site. Mark? Heureusement que c'est pas Marcus, hein. Wouh! D'accord, il y a un gros zoom, en fait, c'est ça, c'est... Ah, c'est le suinteux sinuant. Ok. Scuzzlebutt? Hop! Et je passe. Parfait. Trop de talent. Beaucoup trop de talent. This place doesn't really look like a Taco Bell. Faut que je sois devant le bouton pour l'appuyer, d'accord. Did I just fart? Or was I just thinking about farting? Viens par là. Sweet. Boom! Ça t'apprendra. On peut pas récupérer ça sur son corps. Voilà, ça y est. Hop. Ça c'est fait. Avant d'entrer là-dedans. Hop. Not exactly sure what you're asking. Apparemment, j'ai pas le droit d'entrer. Hop. Ok. Poisson d'invasion, puis se laisser la... D'accord, ok. Pourquoi pas. Hop. Ok, ça m'aide pas des masses. C'est verrouillé, ok. Ah ça y est, là je peux utiliser, d'accord. Ok, j'imagine qu'il fallait que je check un truc d'abord. Marteau en pierre. Joli. Coup bifort. Dégâts supplémentaires contre... D'accord, ok. Hop. On ouvre ça et on rentre. Donc je sais pas si on a pour long dedans. So far we've been unable to stop the UFO from leaking the toxic waste. We've contained all we can, but there are no guarantees an outbreak will not occur. And does the alien liquid appear to have the same effect as last time? Hmm. I'm afraid so.
When the alien waste reacts with organic material on Earth, it turns things into Nazi zombies. Oh mon dieu! Here we go again. God damn it. I'm so tired of Nazi zombies. It's so overused. If the wrong person gets their hands on that green toxin, it could totally spread and we have a big problem. All right. We're gonna have to completely obliterate everything in a 3-block radius. Find locations for the bombs and bury it all. Then make up a fake story about an earthquake. We can contain the outbreak this time if we act quickly enough. Let's move! Everything we've just talked about has been recorded onto this tape. I'm going to leave it alone here for a few minutes, then come back later and have it encrypted and locked away so nobody ever hears what was said in this meeting. Yes, good idea. C'est débile. C'est génialement débile. What the fuck? It's broken free! He needs to have your room at home! Oh la vache! La bestiole! Hello guys! I'm over it. Ouais, je suis d'accord, moi aussi j'en ai ma claque. 4 donc, c'est bien ça. Ok! Eh bah écoute, on y va! Boum! Raté! Et il est mort. Parfait! Vive le saignement! Donc. D'accord. Non, c'est lui que j'aimerais fouiller, s'il te plaît, merci. Gilet du SWAT, ah mon dieu, il est tellement magnifique. Non, je vais le récupérer, s'il te plaît. Hop, merci. Casque du SWAT, gant tactique du SWAT, ah génial. Absolument génial. Ok, je casse tout exprès. Hein. Des fois que, mais apparemment non. On va là-dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose à fouiller d'abord? Pas eu qu'à sommer mes plats. Ici. Hop. Transformateur Tesla, d'accord. Ouh, 50 points de dégâts de foudre. Bim. Ok, bon, on récupère ça. Les zombies sont complètement décomposés, c'est pas grave. Ok, et on sort. Et donc passez par... Oh mon dieu! Ah la vache, ils m'ont frappé! Donc ils vont attaquer d'abord. Oh la vache! Riposte. Hop! Raté! 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 Bon, il frappe. Il frappe, mais ça va. On a connu plus dur. Attendez, on a la nouvelle technique normalement. Toujours pas? Mort à petit feu, voilà. Poussez ZQSD vers la cible pour augmenter vos attaques. D'accord. What? D'accord. Ça va être difficilement compréhensible, pardon. Cependant, il va falloir qu'on frappe dur, du coup, ça. Mais non, mais c'est débile. Je capte pas cette attaque. Aïe. Ça risque de faire mal, ça. Merde, ils ont eu Stan. Raté. Oh la vache. Hop. Ok, ça pue du cul. Soyons honnêtes, ça pue du cul. Grande potion de soin. Hop. J'ai besoin de les faire saigner. C'est pas grave. Fou, il frappe fort en plus. Merde. Putain, je peux plus me soigner au prochain tour. Potion de guérison. Et oui, je suis écœuré, je pouvais pas me soigner. Ça va être problématique. Celui-là, il a combien de PV? Il fait riposte. Riposte, c'est renvoi de dégâts au corps à corps. Donc peut-être que je peux l'avoir comme ça.
Ou alors j'ai lu en premier. Je crois qu'il a 5 saignements lui, donc ça devrait passer. Hop, ça prendra. Voilà, meurs. Parfait. Fou. Alors si des combats sont un petit peu tactiques dans celui-ci, ils vont l'être beaucoup plus dans le prochain épisode entre guillemets, dans le prochain jeu, hein, simplement. Donc attendez-vous à peut-être à plus de complexité dans le prochain. Plus de complexité et ou plus de... D'accord, il y a un passage ici. Je ne peux pas encore passer, pas grave. Pas grave, pas grave. Ok, et donc maintenant... D'accord, rapportez vos découvertes. Ok, pourquoi pas. La PE c'est ici... Non, ça c'est la gendarmerie. La PE c'est ici, d'accord. Ok, donc on va passer par là. Hop. Putain, qu'est-ce qu'il fait chaud. Bon. Hop. Au final, on l'aura fait dans tout l'épisode, le machin, donc ça n'aura pas été si long que ce que je pensais. Ce qui n'est pas plus mal en soi. Il y a un Shin Pokémon ici. Pourtant, j'ai pas vu de porte. D'accord. Ça ne répond toujours pas à ma question. Mais il a rien, mon nez. Hop. Alors, est-ce qu'il y a une porte par là? Merde alors. Bon, bah allons-y. What's this? It's a recording. There's data on here. Did they say anything? What kind of Taco Bell is it going to be? When are they going to be finished building it? All right. We're going to have to completely obliterate everything in a 3-block radius. What? Set charges underground to blow up the area and bury it all. Then make a fake story about an earthquake. You're gonna just blow up 3 blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! Right. I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Well, not here. Not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Excellent. Yes, I'll send it to you. Excellent, 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 excellent. C'est juste génial. Par contre, je voudrais savoir comment aller chercher le Shin Pokémon là-bas. Il va y avoir un passage en fait là-dedans, mais là, il y a pas un trou ici. Attendez. Non, pas du tout. Il doit y avoir un truc que je capte pas alors. Ok. Comment aller chercher ce Shin Pokémon? Ah putain, je le vois. Regardez. Hop. Hop. Vampore. D'accord. Ok, c'est tout ce qu'il y avait apparemment. Ok, bon, on l'a vu celui-là au moins. Crac. Hop. Ça c'est fait. Ce qui nous en fait 18 de mémoire. Mais bon. Retournons voir les gothiques. N'oubliez pas d'emporter une serviette. Avec serviette ski. Mais bon. Je croyais qu'on pouvait passer presque. Yo. Whoa, he did it. Nice. Yeah, but he's still not goth. He'll have to pass the final test. You may look goth, Frodo. Dance goth. Écoute, on va bien voir. Café et club. Ok, pourquoi pas. Less enthusiasm. Totally fucking bullshit. That's not how you drink coffee. You call that smoking? Car, I'm feeling the rage. I like what Vache. You did with your coffee there. Wow. J'étais mauvais. En fait, c'est le placement des trucs qui me dérange. What do you think? He's pretty goth. He's pretty goth, right? Yeah, that was pretty good. I felt his pain. Imagine. All right, new kid, you've officially proven yourself. Yeah, just tell us where you need us and we'll be there.
Ok. Ils sont magiques, hein. C'est magique. J'adore. J'adore ce jeu. J'adore cette série, j'adore ce jeu. Bon, bah, ça commence bien, là. Clé de la cuisine de l'école. Alors, attendez, ça, je sais pas du tout où est-ce que je la trouve. Donc c'est pas pour tout de suite. Ok, bon bah tant mieux. J'ai juste lu le début. Donc c'est pas pour tout de suite. Pas de soucis. Bon bah écoutez. On s'en sort pas si mal alors du coup. Bah. Du coup, niveau quête, qu'est-ce qu'il nous reste? Chasse au gros gibier. Bah ouais, il nous reste plus grand chose. Du coup il nous reste ça et ça. Et après retourner les voir. Ok. De nouveaux alliés, bah écoute c'est bon. Et donc justement on va aller voir. Cartman. On va aller voir Cartman. Alors, coupe à keep, c'est par où? Ça devrait être par là, normalement. Maison de Cartman, voilà, et la maison de Kai. Ah bah écoutez, on va aller donc chez Cartman, comme je l'avais prédit dans le précédent épisode, à 9 contre 6, hein, dans tous les votes faits. Et voilà. Ah, vous avez retourné. Come, Sir Douchebag. It is time to summon our forces. Simply call them here and your dedication to Koopa Keep will be complete. Ok. Eh bah écoutez, chers amis, du coup. On fera ça dans le prochain épisode. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. On n'a pas trouvé le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.